Une église dédiée uniquement au basket, ce sera la chapelle de Castelsarrasin. Notre-Dame du basket trône en haut de cette petite colline. Elle s'apprête à veiller sur les sportifs. À Chalosse, nous sommes un fief de basketteurs. Et puis bon, moi je suis issu d'une famille de basketteurs. Et ça me tient à cœur d'avoir une chapelle de basket sur Castel. Voilà, qui fera connaître un peu plus notre commune et qui amènera peut-être un peu plus de monde. Et qui développera sur le tourisme et dans le canton. Le département des Landes est le seul lieu au monde où des sanctuaires sont dédiés au sport. Après Notre-Dame des cyclistes, celle du rugby et aussi de la course landaise, le basket aura désormais son lieu de culte. Je trouve très bien justement que les gens d'ici, de toute façon, ils vibrent au basket, hein, les chrétiens comme les autres. Et donc je crois que ça fera une grande joie pour chacun de voir aussi cette association se mettre en place et de venir vibrer aux joies du basket, non seulement dans les terrains de sport, mais aussi ici dans cette église. Trophées, maillots, photos et dédicaces seront regroupés en ce lieu sacré. Des statues et vitraux seront réalisés pour réhabiliter cette chapelle du basket. Il y a beaucoup de rénovations à faire. Il faut compter un budget, il faut compter à peu près aux alentours de 200 000 euros de travaux. Donc voilà, et par rapport à ça, donc justement, nous allons lancer un appel aux dons. D'ici 2 ans, Notre-Dame du basket devrait accueillir les premiers visiteurs. Et pour la repérer de loin, un ballon de basket trônera sur le clocher de l'église.